comme un culte d'adoration. Le maître de l'univers qui vit éternellement. En hébreu, on l'appelle Hachem, mais le Dieu éternel. Il est Jehovah Shammah, l'éternel qui est ici. Il est Jehovah Jireh, l'éternel Dieu pourvoyeur. Il est Jehovah Shalom, le Dieu de paix. Notre Dieu est vivant. Tu vas encore ouvrir la bouche. Et lui dis merci. Pour tout ce qu'il a fait au cours de cette semaine, mon ami. Dis lui merci. Ouvre la bouche et dis merci à Dieu. Comment le Père a fait pour toi? Comment le Père a fait pour toi? Je dis merci. Je dis merci. Thank you.
Au nom de Jésus-Christ. Et je suis dans l'honneur et la gloire. Adonai, notre Dieu. Yahweh, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Ô Dieu tout-puissant. Donc, comme mérité, c'est la grâce de Dieu. Cela t'engendre, c'est que de faire. La Bible déclare que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Toi qui couvres. Par la grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la croix. Ce n'est pas par seul. Pas de louer. Mais que personne ne le fasse. Lazare a pris des jours, Seigneur. Tu l'as ressuscité, Seigneur. C'est un Dieu. La bouche de Dieu soit par là. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu d'amour. Seigneur. Mon salut. Par la présence du Seigneur Jésus. Parce que ton nom est inscrit dans son livre de vie. Tu te reconnais comme enfant. Héritier tu es. Dis merci au Seigneur pour cette grâce. Merci Seigneur. Merci pour ta gloire. Merci parce que mon nom est écrit et c'est reconnaissé dans ton livre de gloire, Seigneur. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te t'adresser? Comment ne pas te dire que bon, Seigneur? Oh, je suis grâce.
juger la pluie, c'est la pluie fidèle. Notre Dieu est fidèle. C'est pour vous lire un passage. Pendant que nous avons les yeux fermés, nous allons méditer la parole. La Bible dit que Dieu médite sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Il dit, ne crains rien. Ésaïe 43. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te feras pas. Et la femme ne t'en passera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte ta rançon. L'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as dit oui. Amen. D'écoute et de délivrance. Amen.
Nous avons nos cultes tous les dimanches matin ici. Et aussi à Zaroko, qui est notre centre de délivrance, notre base à Zaroko. Ici, c'est le centre des cultes de délivrance. Il faut grandir dans la foi, il faut être enseigné. C'est pour ça que Jésus dit allez faire des nations des disciples et enseignez-les. Il est vraiment important pour nous de vous enseigner la parole de Dieu. Amen. Ce sera sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nous avons créé un culte tous les dimanches. Amen. Je vous annonce maintenant sous... J'étais dans ma chambre quand Dieu me parlait. Nous aurons un baptême le samedi. C'est-à-dire baptême par immersion. Ça sera notre premier baptême ici, d'ailleurs. Notre baptême chez nous. Au parce que moi, je fais partie de l'église pentecôtiste. Nous sommes des pentecôtistes. Dans d'autres coins, c'est pas mauvais. Et ils enseignent d'abord avant de baptiser. Et à coup de base, première année, deuxième année, troisième année. Nous, on ne fait pas au pentecôtiste. Pourquoi? Parce que la Bible dit que baptiser les d'abord avant de les enseigner. Et toutefois, dans Actes des Apôtres, les gens d'abord baptisés, même rencontrés dans la rue. Mais ce n'est pas aussi mauvais d'enseigner avant de baptiser. Ce n'est pas aussi mauvais. Mais chez nous, les pentecôtistes, nous baptisons les gens. Je peux te rencontrer aujourd'hui. Si tu as décidé d'accepter Jésus, je te baptise. Ce n'est pas un péché. Amen. Et c'est ce qui est écrit dans la vie. C'est ce qui est écrit dans la vie. Amen. Donc, parce que après le culte, ceux qui veulent être baptisés, ils veulent être plongés par l'eau, dans l'eau, et puis ça serait avec toutes les cérémonies possibles, parce que ce baptême-là, il sera plus spirituel d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont baptisées, puis une autre grade. Amen. Ce baptême-là, ça serait un baptême spécial, c'est le samedi. Nous avons envie de baptiser les gens là-bas. Ceux qui veulent être baptisés peuvent déjà s'inscrire. Amen. Et avant de faire les autres, aller aux autres des baptêmes, nous allons s'attirer sur votre nom. Parce que votre nom peut aussi avoir des impacts négatifs sur vos vies. Et donc nous allons tout régler. Ça, et après les autres des baptêmes, vous donner aussi des noms spirituels. Amen. Vous savez, quand Jésus, après le baptême de Jésus, la Bible dit. Le Saint-Esprit, la voix s'est fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. Amen. C'est ce qui est aux gens. Vous avez fait un baptême pour regarder. C'est-à-dire que Dieu ne vous a pas reconnu dans ce baptême. Mais juste Jésus a été baptisé. Le ciel a commencé à parler, à reconnaître Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, les choses spirituelles ne jouent pas avec ça. Tout se prépare. Ne faites pas comme ça les choses spirituelles. Donc ceux qui veulent être baptisés, c'est le samedi. Nous on fait les autres baptêmes. Pour nous, notre baptême, c'est les baptêmes par immersion. Voilà, nous sommes évangéliques. Baptême en plein plonge, ça veut dire plonger. Tu meurs et tu ressuscites vers Jésus. Et nous, on ne verse pas l'eau sur la tête. Et nous, on plonge parce que c'est le baptême qui a été recommandé par Jésus. C'est le baptême qui a versé Jésus. Jésus n'a pas versé l'eau sur la tête. Amen. Voilà. Moi, c'est la Bible, c'est mon livre. C'est la Bible, c'est pas parce que c'est parce que les gens font dans les églises. C'est la Bible. C'est pour ça que je suis allé à l'école théologique pour apprendre. J'ai fait 3 ans de cours pour apprendre la Bible. Amen. Donc vous pouvez être baptisé chez le pasteur juste après. Vous voyez le pasteur. Le samedi dans l'après-midi, nous allons aux eaux du baptême. Vous baptisez. Et dimanche prochain, il y aura la première Sainte-Seine. Amen. Voilà ce que vous appelez communion là. Nous on appelle ça Sainte-Seine. Manger, c'est beaucoup important. C'est très important d'ailleurs. De partager le corps de Christ. Quand vous faites ça, ça renouvelle en vous beaucoup de choses. Vous renouvelez l'alliance avec Dieu. Amen. Le droit de pain et du vin, nous allons prendre le repas du Seigneur. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, c'est important de le faire tous les dimanches, d'ailleurs. C'est important parce que ça renouvelle beaucoup de choses sur le plan spirituel. C'est des choses que vous devez connaître. Amen. Pour ne pas que l'ennemi ait accès à nos vies facilement. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je rappelle encore que les vendredis, nous avons éveillé de prier à Zaroko. Les vendredis, tous les vendredis, c'est les veillées de prière. Et ne ratez pas ce programme. Nous sommes en train d'aborder les mois les plus dangereux de l'année. Nous allons tout droit vers la fin d'année. Et c'est comme ça le diable travaille. Amen. Nous devons aussi redoubler de force dans la prière. D'autres attendent généralement à partir de le 31 décembre ou le 24 pour aller prier. Non, non, non. C'est maintenant l'année, ce n'est pas. Amen. Voilà, que Dieu bénisse. Nous avons abordé, commencé déjà un enseignement. J'ai parlé de comment être délivré des puissances sataniques. Amen. Et il y a des petits sous-terres. Comment les démons entrent dans les vies. Vous savez, si le diable a accès à ta vie, c'est qu'il y a une porte d'ouverture. Et comment il est entré, il faut le savoir et puis le chasser. Parce que le chrétien a le ministère de chasser les démons. Amen.
Jésus m'a dit, voici le signe. Il dit, voici le signe qui accompagne les croyants. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est pour ça que dans une église, quand on ne chasse pas un démon, je ne suis pas d'accord avec ce pasteur. Démon n'est pas fait pour qu'on cohabite derrière lui. Ah, vous, je vous l'enchaîne. Mais démon, on doit les chasser. Je ne suis pas d'accord dans les églises où on ne pratique pas la délivrance. Ils disent que chez nous, c'est la parole seulement. Mais oui, Jésus-Christ ne faisait pas d'enseigner, mais chasser les démons. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il est rentré dans la synagogue, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle. Bon, pour libérer les captifs. Nous, nous pratiquons la délivrance. C'est le signe qui accompagne le ministère. Amen. Là où la délivrance n'est pas pratiquée, les francs-maçons s'assoient là-bas. Les francs-maçons ne sont pas inquiétés. Les sorciers ne sont pas inquiétés. Ils viennent où il faut dormir. Ils finissent l'église, on te demande à faire quoi. Ils disent, tu ne sais pas ce que tu as dit. Tu dis, le pasteur m'a prêché quoi, mais je ne veux pas, c'est quoi, tu dors. Amen. Amen. Nous nous combattons les démons. La Bible dit que le Fils de Dieu, qui est Jésus, 1 Jean 3, verset 8, est apparu en train de détruire les œuvres du diable. Et les démons, on les appelle les démolisseurs. Amen. Et l'église a besoin de comprendre que le rôle de l'église sur cette terre, c'est de faire reculer le royaume de Satan et de poser de la vie. Amen. Amen. Ça s'impose. Amen. Amen. Dieu t'a pas choisi comme ça. Dans ta famille, là, c'est pour imposer le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Ça ne doit même pas se discuter. Et toi, tu es là, un petit enfant mangeur d'orteil, il vient te dire, il te mange un garba, il te mange un sauce arachide, il te mange un bébé sou. Amen. Amen. Souvent, c'est drôle. Tu vois le gaillard, tu vois l'enfant qui dit, je l'ai mangé. Quand tu vois l'enfant dit, je l'ai attaché. Gaillard, le petit. C'est pour dire que toi, si tu n'as pas Jésus, c'est comme ça les démons vont t'attacher. Amen. Amen. On va aborder le sujet. Comment les démons vont dans la vie des gens? J'ai expliqué la dernière fois ici. Amen. D'abord, quels sont les démons? La définition des démons, ça veut dire les démons, les démolisseurs. Ceux qui viennent pour détruire. Les démons, ils détruisent. Amen. Et nous avons parlé des origines des démons, comment ils sont devenus démons. Et le patron des démons, c'est Satan. Satan, lui, est le patron. C'est comme un gouvernement, il y a le président de la République, et puis il y a les ministres. Donc, Satan, lui, est le président qui gère tous les ministres qu'on appelle les démons. Amen. Ils étaient d'abord qu'on appelle les agents et les anges. Les anges de lumière dans le ciel. Il y a eu une rébellion dans le ciel. Dieu les a chassés. Dieu a envoyé un petit, un ange, un archange qu'on appelle Michael. Pour dire, va gérer la rébellion. Amen. Parce que le petit, là, c'est un comédien, il ne sait pas pourquoi. Moi, il m'a dormi dans ma chambre. Va, gère-le, chasse-le. Et c'est ce que Michael a fait. Michael allait gérer ce petit sorcier-là. Amen. D'abord, il s'appelait Lucifer. N'oubliez pas qu'il s'appelait Lucifer. Qui veut dire l'ange de lumière. Donc, quand vous pratiquez la délivrance, et quand le démon vous dit dans le corps que je suis Lucifer, dit tu mens. Tu n'es plus Lucifer. Amen. Parce que Lucifer, c'était son ancien nom. Il ne s'appelle plus Lucifer. Il s'appelle Satan. Il est devenu diable. Il est devenu l'adversaire de Dieu. Amen. Alléluia. Nous avons vu la chose dans le passage de Apocalypse et Révision. Au lieu d'un culte, ce n'est pas une veillée de prière, c'est un culte. Donc, je prends mon temps pour enseigner beaucoup de choses. Et les temps sont limités parce qu'il faut. Il y a des personnes qui ont besoin de revenir à Abidjan pour bosser le lendemain. Amen. Moi, je dois partir à Abidjan tout à l'heure parce que j'ai demain, je suis demain sur le plateau de la télé à partir de 11h30. Amen. Apocalypse 7:7. Allons-y, l'Apocalypse. Vous avez des billes. Montrez-nous les billes. Vous pouvez la 60, c'est pas intéressant. Ouais, c'est très bien. Et vous autres, les bijoux. Pourquoi tu peux venir et confortable, c'est pas les amis. Ouais. Vous mettez toujours Dieu au second plan. Je sais que la vie est vraie. Je sais que. Je sais que la vie est vraie. Mais si les chrétiens étaient comme les musulmans, on allait pousser le monde. Faut t'amuser un Coran. Tu as brûlé le Coran. Toi-même, tu brûles en délançant. Tu as brûlé le Coran. Animé.
Chez nous, même, on laisse les enfants tirer les pages. Hé, hey, papa, je vais aller brûler quoi? On joue à la pile. Amen. Ne jouez pas cette parole de Dieu. Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Amen. Esprit et... Quelle fois est toute la vie? On est venu. Vous c'est venu oreiller. Les gens font la vie, font oreiller ça. Ouais, tu vois, je veux des lits, on ouvre le passage, le saut 35. Et la vie devient comme un fétiche. On ouvre le saut 35. Pour le condom, même le saut 91, les sauts comme ça. Vous savez pas que le diable maîtrise la Bible de nous. Amen. Il maîtrise toute la Bible. Il a ça dans son cœur. La Bible dit, je sais ta parole dans mon cœur, en fait, il n'est point péché contre toi. Il faut avoir la parole ici dans le cœur. C'est pas une question de son 35, de mettre son cheveu de vie, comme un fétiche. Non. Ça ne doit pas devenir un fétiche. Il fait ici. Oui. Jésus même, la Bible dit que... Amen. Vous devez méditer la parole de Dieu. La garder dans votre cœur. Montez-moi vos Bibles. Je vous fatigue ça. Si vous venez ici, la Bible, allez vous fatiguer. Amen. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Elle est pleine de vie, cette parole de Dieu. Vous n'avez pas avoir peur. Vous devez avoir la Bible. Vous savez, quand tu n'es pas Dieu à la première place, il est l'alpha et l'oméga. Et voilà. Vous avez tendance à l'ignorer. C'est quand vous avez un problème, vous pouvez après lui. Donc lui met le temps pour vous répondre. Non, Dieu, je m'aime. Pourquoi il ne m'écoute pas? Tu as du goût de Dieu. Tu l'écoutes. C'est ça votre problème. Vous êtes pas en danger là. Si on pense que Dieu existe, il faut courir après lui. Amen. On ne prend pas le soin de dire la parole. Donc la Bible dit que Jésus dit l'homme ne vivra pas du pain seulement. Aussi de la parole de Dieu. Aussi de la parole de Dieu. Ne soyez pas des chrétiens bizarres. De toute façon, tu devais matin, tu as faim. Comment ça, je t'en âme de ça. Il y a des deux comme malédiction spirituelle. Vous savez que. C'est pour ça que les sorciers vous mangent. Vous savez que toi, tu es faible. Je vais vous expliquer l'histoire des lions. Le lion, oui, il attrape sa proie. C'est vrai ou ça? Hein? Dans le bord des eaux. Voilà. Pourquoi? Pourquoi c'est bien là-bas? Il n'est pas poisson. Hein? Il ne vit pas dans l'eau. Pourquoi? Hein? Ah, il va boire, c'est bien, il est bâti là-bas. Non. Il va aller manger. Hein? Soif, hein? Voilà. D'eau. Non, il vient en groupe, c'est ça? Donc il prend son temps, doucement. Quand il finit ça, il commence à grogner. Parce qu'il a pas fui. Lui, qui est le plus faible qui l'attaque. Il n'est pas malade. C'est le plus faible bizarre qui l'attaque, tac, tac, pas fait tomber. Vous savez pas que l'église est représentée comme pour un dos, ceci là? Parce que la parole de Dieu, c'est comme une autre source d'eau pour nous. C'est ce que Jésus a dit. Amen. C'est pour ça que la Bible, le diable rôde comme un lion. Donc il rôde. C'est le plus faible là qui l'attrape. C'est pour ça qu'il ne vous laissez pas faire. Nourrissez-vous de la parole de Dieu. Le diable arrive à vous savoir parce que vous n'êtes pas rempli de la parole de Dieu. Satan, c'est un menteur. Jésus, il vient, il parle à Jésus. Il dit qu'il est écrit. Jésus dit qu'il est écrit aussi. Quand ta croix te défend, quand Satan débat, il dit, mais c'est vrai, hein? Tout c'est fini, t'as eu. Nous lisons la parole de Dieu, Apocalypse 7, allons-y. 7-7. Tu vas comprendre tout à l'heure pourquoi tu échoues dans le combat. Tu attends quel combat, oui, allons-y. De la tribu de Siméon. Apocalypse. Ah, 12, excusez-moi. Autant pour moi. 12, le verset 7. Apocalypse 12, le verset 7. Amen.
Une autre personne prend le verset 12. Et il lui guet dans le ciel. Il lui guet dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Quand il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Très bien, voici l'origine des démons. Ils étaient d'abord des anges dans le ciel, des anges au service de Dieu. Ils vont monter une rébellion, le diable déclenche une rébellion, il recrute des anges, d'autres anges rebelles, ils vont affronter Dieu. Alors Dieu va envoyer un archange, on appelle l'archange Michael, parce que dans le ciel, c'est vraiment très bien organisé. Le ministre de la communication là-bas, c'est l'archange quoi? Gabriel, il parle seulement. Gabriel, il parle seulement, il parle. Amen. Le ministre de la défense dans le ciel, c'est Michael. La route des enfants d'adorer les anges, on n'adore pas les anges. C'est dangereux d'ailleurs. Parce que les anges sont à notre service. Amen. C'est dangereux dans d'autres coins. On dit Saint Michael, Saint Gabriel, Saint. Tu ne dois pas te prosterner devant une ange d'adorer. Amen. Parce que les anges sont à notre service. Les anges mettent en vie. Amen. Parce que Dieu te considère. Dieu te voit comme enfant. Amen. Et l'ange là, ton service. Vous comprenez un peu? L'ange vient te servir. L'ange n'est pas enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Donc, tu ne dois pas adorer un ange. Ce n'est pas possible. Amen. Vous savez, quand vous lisez un peu dans Exode 20, on dit qu'on ne doit même pas adorer une représentation des choses qui sont laissées à part Dieu. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Donc, il y avait une rébellion, puis Dieu a chassé le diable. D'abord, il s'appelait Lucifer. Et après ça, quand il était chassé du ciel, il a eu un autre nom.